Alors, une chose qu'on doit vraiment bien retenir de cette crise, c'est que la pandémie à laquelle on fait face, elle trouve peut-être bien son origine dans l'environnement, mais c'est un produit des activités humaines. C'est vraiment d'intégrer ce type d'idées. Donc l'idée est que effectivement nos interactions avec l'environnement et notamment via les productions de matières premières, de denrées alimentaires qui nous font interagir avec l'environnement, avec les animaux sauvages, avec différents types de paysages sont à l'origine en fait potentiellement de ce type d'événement. Ce type de façon d'envisager notre relation avec l'environnement, c'est quelque chose qui est beaucoup envisagé aujourd'hui et beaucoup conceptualisé et réfléchi, et notamment via un cadre conceptuel qui s'appelle le cadre One Health, ou qu'on peut traduire par une santé, et où l'idée c'est que il y a énormément de contextes où en fait c'est sans doute pas très productif de faire une distinction entre la santé animale, la santé humaine et la santé de l'environnement. On peut d'ailleurs citer en Belgique le réseau belge One Health qui a un an ou deux d'existence, mais qui vise vraiment en fait à rendre plus visible ce contexte à notre santé aussi au sein des instances de gestion et de décision en Belgique.